Merci d'être là, chers camarades des peuples d'Afrique. Citoyens du monde, soyez salués en vos rangs grâce et qualité. Chers camarades d'Afrique du Sud, du Nord, de l'Est, de l'Ouest, en passant par le Centre, soyez salués en vos rangs grâce et qualité, en vos fonctions et attributions. Camarades peuples d'Afrique, l'heure est grave. Au nom de Dieu, chers camarades, l'heure est très grave. Est-ce que vous savez que la guerre russo-ukrainienne, là, est-ce que vous savez qu'ils ont déporté ça au Mali? Il y a des Ukrainiens, des mercenaires ukrainiens qui sont au Mali, qui combattent l'armée malienne. Des Français, des Algériens, des Mauritaniens, selon des sources sûres et fiables. On va d'ailleurs même. LCI de M. Pichadas, David Pichadas, c'est lui qui le dit. On va vous mettre ici à disposition les preuves, chers camarades d'Afrique. Je vous demande de partager. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous inviter ici, le samedi prochain, à la place de la Bastille. Tous les Africains sont demandés. Venez, on va aller apporter notre soutien à l'AES. Venez tout le monde, place de la Bastille, à partir de 13h00. Venez, on va apporter notre soutien à l'AES. Vous avez compris, je vais attendre tout le monde là-bas. Camarades peuples d'Afrique, avant d'effectivement rentrer dans le sujet, dans le vif du sujet, on va laisser ici, on va écouter ici le général de division, non, c'est le général de division, le responsable de l'armée, le porte-parole de l'armée. Malien, le chef d'état-major, je pense bien, le chef d'état-major de l'armée malienne, qui va nous expliquer de quoi il s'agit. Ce qui s'est passé, chers camarades d'Afrique, à Tinzawaten. Et puis, on va dire ce qui n'a pas été dit, ce qu'eux ne peuvent pas dire, parce que, à cause de la diplomatie, et d'ailleurs, même cette affaire de diplomatie-là, je ne suis pas dedans encore. C'est-à-dire que les gens ont camouflé des informations. On va vous donner ça ici. On va écouter ici déjà le chef d'état-major. Il va nous expliquer du point de vue de l'armée malienne. Et puis on va expliquer de quoi il s'agit. Chers camarades d'Afrique, on va décortiquer de quoi il s'agit. On est parti. Écoutez. Écoutez attentivement. Les FAMA étaient dans leur mission régalienne de sécurisation des personnes, mais aussi de stabilisation du pays. Et ce n'est autre qu'une patrie de routine qui a été conduite de Kidal en passant par Inafara, voilà, Bougueïsa, jusqu'à à Tinzawaten. C'était alors une bataille de survie pour les groupes armés terroristes. Vous savez, nos forces ont quitté depuis le 19 à Kidal pour converger d'abord vers Inafara. Et Inafara, elles ont pris possession de cette localité pour continuer sur Bougueïsa et après Bougueïsa, Tinzawaten. C'est aux abords de Tinzawaten alors qu'elles ont reçu les premières attaques terroristes. Et avec cette attaque, alors les terroristes ont été mis en déroute et avec du recul, alors ils ont pu se coaliser, ils ont pu faire un mariage de circonstances en faisant appel aux autres groupes terroristes de la sous-région pour venir les appuyer. Écoutez, avec la zone très montagneuse, alors on n'est pas à présent arrivé à faire une évaluation de la situation, mais tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a eu des pertes en vies humaines et matérielles de part et d'autre. L'opération est en cours. Les FAMA ne vont jamais se dénier de leur mission régalienne, qui est de recouvrer l'intégralité du territoire national, mais aussi d'assurer la sécurisation des personnes et de leurs biens. Et les FAMA sont engagés à cet effet, et les FAMA, malgré les vicissitudes, vont se combattre jusqu'au dernier, Nous n'allons jamais reculer. Notre mission, c'est d'assurer la sécurisation, la libre circulation des personnes,
et des biens, mais aussi de stabiliser ce pays. Et vous savez, ce pays vient de loin, avec 10 ans de conflits armés, avec 10 ans de présence des forces internationales sur notre territoire, qui n'ont pas pu trouver la solution à la crise qui nous assaille. Alors, les forces armées maliennes sont aujourd'hui seules à faire face à cette cohorte de terroristes et, disons, à cette cohorte de terroristes internationaux qui sont sur notre territoire et qui ne veulent pas que les FAMA aillent jusqu'au bout de leur mission. C'est la guerre informationnelle, c'est la guerre communicationnelle que notre pays subit, que les forces armées maliennes subissent depuis des années. Et il faudrait bien que la population comprenne que ce que ces forces, ce que ces médias qui sont en train de dénigrer nos forces, qui sont en train de porter l'opprobre sur nos forces, que la population malienne sache que c'est des tentatives de déstabilisation de notre pays. C'est des tentatives de dénigrement de notre armée qui est en train, depuis bientôt 2 à 3 ans, qui est en train de monter en puissance. Alors si pendant 10 ans, les forces internationales, ce que les forces internationales n'ont pas pu faire au Mali, et que pendant 2 ans, les forces armées maliennes sont en train d'abattre ce travail titanesque sur le terrain, il va de soi qu'il y a des gens pour y remettre en cause tout ce que les forces armées maliennes sont en train de faire aujourd'hui. Il faudrait bien que la population comprenne cela. Il faudrait bien que les Maliens se rendent compte que ce soit les forces armées maliennes, que ce soit le Mali, quand nous sommes dans une dynamique alors de déstabilisation par les forces extérieures. Que cette population ne perde pas confiance en leur armée et qu'elle soutienne son armée. Et cette armée est là pour la population malienne. Et tant qu'on le peut, on le fera pour cette population. Et c'est de notre ressort de sauvegarder ces populations, c'est de notre mission de sécuriser cette population et on le fera jusqu'à notre dernier souffle. Et depuis que les opérations ont commencé, les populations ne cessent d'informer les forces armées maliennes sur les mouvements des forces terroristes, sur leurs sanctuaires, mais aussi sur leur logistique, leur point de ravitaillement. Et c'est en cela que les forces armées maliennes se sont engagées à lutter contre les forces obscurantistes jusqu'à leur dernier retranchement. Écoutez toujours. À présent, je vous invite à suivre le contenu du communiqué de l'état-major général des armées sur la situation dans le nord du pays. C'est avec Abdoulaye Sakho. L'état-major général des armées informe l'opinion nationale que les FAMA ont engagé depuis le 19 juillet 2024 une vaste opération de stabilisation dans le secteur d'Inrafak et de Tenzawaten. C'est dans ce cadre que les FAMA ont pris le contrôle de la localité d'Inrafak située à 122 km au nord-ouest de Tessalit le 22 juillet 2024. Après Inrafak, le cap est mis sur Tenzawaten, situé à 233 km au nord-est de Kidal, à la frontière algérienne et dans laquelle les groupes armés terroristes sévissaient contre la population civile avec des raquettes, des vols et le blocage des convois logistiques destinés à approvisionner les principales villes du nord. Le jeudi 25 juillet 2024, les FAMA rencontrent une première attaque terroriste. Leur vive réaction permet de repousser cette attaque et d'infliger de lourdes pertes humaines et matérielles à l'ennemi. L'ennemi affaibli était en débandade. Après ce premier échec des terroristes, les conditions météorologiques ont fortement influé sur la situation. Une nuit orageuse marquée par des tempêtes de sable dans la zone ont permis à la coalition terroriste de se réorganiser et de recevoir des renforts de tous les groupes terroristes de la sous-région. Ainsi, le vendredi 26 juillet 2024, les combats ont doublé d'intensité. Les groupes armés terroristes, regroupés dans une coalition opportuniste comprenant l'IGS et le GSIM, ont lancé plusieurs véhicules kamikazes contre nos forces. L'unité FAMA
a été encerclée par la coalition des forces terroristes du Sahel et de violents combats se sont engagés avant l'arrivée des renforts. La bravoure et la détermination exemplaire de nos soldats n'ont pas permis d'éviter un nombre important de pertes en vie humaine et matérielle. Nous tenons à souligner que cette situation ne saurait remettre en cause la dynamique d'exercice de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national, comme matérialisé par la prise de contrôle d'Inrafak. Nos soldats engagés dans cette opération d'envergure ont démontré une fois de plus leur dévouement et un grand sens du devoir lors de ces batailles qui imposent le respect et la fierté. Nous leur exprimons notre reconnaissance infinie. Les FAMA prennent pleinement et en toute responsabilité la mesure de cet événement et procèdent actuellement à une analyse détaillée des événements pour en tirer toutes les leçons nécessaires et réadapter leur stratégie de sécurisation et de stabilisation. Les FAMA adressent leurs condoléances les plus sincères aux familles de nos héros tombés sur le champ d'honneur et un prompt rétablissement aux blessés. Leur sacrifice et leur courage ne seront jamais oubliés. Un soutien adéquat sera mis en place pour les encourager en ces temps difficiles. Enfin, l'état-major général des armées assure la population malienne que cette épreuve a renforcé plus que jamais la détermination et l'engagement de nos FAMA. Tout en nous félicitant du soutien constant du peuple malien, nous demandons aux braves et paisibles citoyens de rester sereins et de continuer à transmettre les précieuses informations qui nous permettent de vaincre les ennemis de la paix. Vive le Mali, vive le Burkina Faso, vive le Burkina, vive le Niger, vive l'AES, chers camarades peu d'Afrique. On va vous expliquer ce qui se passe, ce qui n'a pas été dit, ce qui a été dit, ce qui n'a pas été dit. On va vous expliquer. Bawo Kone vous avait dit il y a longtemps que Alassane Ouattara avait ouvert l'ambassade ukrainienne en Côte d'Ivoire pour recruter non seulement des Ivoiriens. Déjà, ces Ivoiriens ne vont pas en Ukraine. Attention, ils combattent pour l'Ukraine pour 1000 euros. 1000 euros. 1000 euros, ça fait 655 000 francs CFA. 600 000 francs, au lieu de 600 000 francs. Ils ne combattent pas, ils vont pas en Ukraine. Hein. Ils vont au Mali. Où on les forme? On les forme en Algérie. Chers camarades, on est rentré en possession de toutes les informations à la matière et nous allons vous les déballer. Parce que moi, on ne veut pas serrer mon cou la nuit pour dire on t'a dit quoi. C'est qu'on m'a dit là, hier 10h. Et tout le monde va entendre. C'est que tu es fait, maintenant tu fais. Sénégal, l'ambassade d'Ukraine au Sénégal. Et puis l'ambassade, en tout cas au Sénégal, l'ambassade d'Ukraine là-bas, l'ambassade d'Ukraine en Côte d'Ivoire, les gens sont en train de recruter des mercenaires pour les envoyer en Algérie et Tebboune les forme. Oui, oui et oui encore, chers camarades d'Afrique. Des Ukrainiens blancs. Des Ukrainiens blancs, des Français blancs sont en Algérie, forment des mercenaires pour les envoyer au Mali pour contre l'AES. Les États-Unis forment en Côte d'Ivoire, les États-Unis forment à Jacksonville, l'OTAN forme à Jacksonville pour envoyer ces gens-là au Mali. Pour aller attaquer le Mali. La guerre des tensions dont on a parlé, chers camarades d'Afrique, est arrivée. C'est la plus grande bataille. La bataille de Tezawaten, là. C'est la plus grande bataille, la bataille la plus difficile que l'armée malienne a menée depuis l'accession au pouvoir d'Assimi Goïta. Depuis l'avènement d'Assimi Goïta, chers camarades, c'est le combat le plus féroce que Assimi Goïta a mené. Je vais vous expliquer dans le moindre détail ce qui s'est passé. Retenez ceci. Côte d'Ivoire, Sénégal. Je dis bien, écoutez-moi très bien. Côte d'Ivoire, Sénégal, Algérie, Mauritanie.
Libye, eux, c'est malgré eux. Parce que eux, leur pays m'est divisé. Libye. Vous comprenez? Voilà où les gens, voilà d'où les gens viennent, venant attaquer l'AES. Voilà où les bases ont été, excusez-moi, où les bases ont été installées pour venir contre l'AES. Est-ce que vous comprenez? Pour venir contre l'AES et la Russie. Le président de la Douma, est-ce que vous savez qu'il a fait une déclaration contre le combat de Tenzawaten? On va vous le dire ça, chers camarades d'Afrique. Ce qui s'est passé, l'armée malienne a pris le 19 juillet une farate. Une farate là, c'est un carrefour. Un carrefour où transitent tous les mauvais moves. C'est-à-dire que, oh, merde. Où transitent tous les objets de crime. Les armes, la drogue, les enfants, les bébés, les organes humains. Où tout ça transite là. C'est une farate au Mali. Vous pouvez aller voir sur, dans une interview accordée à, je crois, à RFI par Amadou Toumani Touré, c'est même Alain Foucault qui l'a interviewé. Il dit que dans le nord du Mali, même sous ATT, ces transits-là existaient. C'est-à-dire que la famille Argabas, c'est-à-dire que c'est cette famille-là qui gérait ce réseau de trafic. Je vous ai pas dit que les Macron c'est les vendeurs de drogue. C'est pas là-bas la drogue rentre. La drogue là, ça rentre par Marseille. En France, ça rentre par Marseille. Ça rentre par, en Hollande. Ça rentre aussi au Maroc, en Espagne. Espagne même, la drogue là-bas même, c'est légalisé. Ouais, ouais. Et donc, et là-bas, là, non, la drogue c'est légalisé. Ouais, ouais. Et ils vendent ça comme... En Hollande aussi, c'est légalisé. Donc, les Français vont prendre là-bas. Ils prennent aussi au port de Marseille. Donc, c'est pas ici, ça rentre. Je vous ai montré comment ça passe. Je vous ai montré, non. Voici Amérique du Sud. Voici Amérique du Sud, ici. Ça vient là. Ouais, non. Ouais, Amérique du Sud. L'Afrique du Nord. Ouais, l'Afrique du Nord. La Côte d'Ivoire, ici. Voici l'Afrique du Nord, ici. Ouais. Donc, ça quitte là. Ça vient là. Hein? Sénégal, Côte d'Ivoire, Mali, tout ça. Hein? Ça vient là. Et puis, ça traverse. Ça, voici la France, en haut ici, voici l'Espagne, voici les pays européens. Vous comprenez? Donc c'est comme ça la drogue transite. Donc ça passe par une farate. Est-ce que vous comprenez? Donc une farate là, à partir du moment où la même malienne a pris ça, hop, tout leur mouvement s'est mélangé. Tout s'est mélangé dans leurs mains. Donc, comme tous ces menaces dans leurs mains, donc ils se sont préparés maintenant pour récupérer ce pays, pour récupérer une farate. Donc la même malienne ne savait pas ça. Comme la même malienne a fait un combat, c'est-à-dire qu'un combat vite fait pour récupérer une farate, alors elle a aligné 21 véhicules. Pour aller à Bouguissa. Elle a pris Bouguissa. Maintenant, elle fonce maintenant vers Tenzawaten. Tenzawaten, il faut se dire qu'il y a Tenzawaten Algérie et puis il y a Tenzawaten Mali. Vous comprenez ça? Alors que la drogue passe par Tenzawaten là pour entrer en Algérie et pour venir en France. Ça passe par Tenzawaten aussi pour entrer au Maroc et pour venir en France. Donc, les terroristes ont dit, bon, si on pète une Tenzawaten, c'est gâté. Vous comprenez? Donc, la même malienne, avec 11 véhicules, 11 pick-up, engage le combat de Tenzawaten. Quand la même malienne engage le combat, eh bien, les terroristes qui étaient là, qui étaient venus de la Libye et tout, qui étaient là, ont été mis KO. Beaucoup ont été mis KO avec les insurgés russes.
était avec l'armée malienne. Donc les gens ont été mis KO. Alors l'armée malienne progresse. Le premier combat du jeudi, l'armée malienne les met KO. Est-ce que vous comprenez ça? L'armée malienne les met KO. Donc ils appellent tous les autres terroristes, même ceux avec qui ils avaient des hostilités, ils les appellent et ils font des trêves pour dire venez nous aider parce que si on a perdu Tinzawaten, c'est fini pour le terrorisme au Mali. Alors, tous les groupes terroristes, Boko Haram, Al-Qaïda, ISNIM, CSP, quoi, tous les groupes terroristes de la sous-région ont quitté la Côte d'Ivoire, ont quitté, comment on appelle ça, le Sénégal, ont quitté la Libye, ont quitté chez Kabarapé d'Afrique, la Mauritanie, l'Algérie, et ont tous convergé vers le Mali, vers Tinzawaten. Alors que, quand la MLN a engagé le combat, le jeudi, il y a eu une tempête de sable. Donc quand il y a la tempête comme ça, les avions ne peuvent pas circuler, parce que les hélicoptères circulent à basse altitude. Donc l'armée a interrompu le combat. Donc l'armée a interrompu le combat. Donc, pendant que l'armée a interrompu le combat, pendant que le mauvais temps est en train de se manifester, et ils ont profité pour appeler tout le monde et ils sont regroupés. Et ils ont lancé leur assaut maintenant. Dès que le mauvais temps s'est abaissé, ils ont lancé l'assaut pour prendre en embuscade l'armée malienne. En tenaille, je veux dire l'armée malienne. Donc, voilà, le combat maintenant s'engage. Un combat à mort. C'est-à-dire qu'un combat qui se menait. Regardez, hein. 21 véhicules contre plus de 200 à 300 véhicules, y compris des motos, près de 5 à 10 000 hommes. Les pick-up là, si ça a trop pris, c'est une personne ici, trois personnes derrière, quatre personnes. Si ça a trop pris 100 à 200 personnes. 4000 contre 200. 4000 contre 200 à 300. Frère, non. Les Maliens ont montré que, ouais, ils connaissent les guerres. Ils connaissent la guerre. Ils connaissent armes. Avec les instituteurs russes. Frère, ils se sont frappés. Ils se sont frappés. Ils se sont frappés. Les tireurs d'élite. Les tireurs d'élite sont en train d'allumer sur le monde. Ça allume sur le monde. Ça allume sur le monde. Frère, malheureusement, quand le mauvais jour doit arriver, le mauvais jour arrive. Malheureusement, les renforts qui devraient quitter Kidal, Kidal, pour venir à Tinzawaten, l'avion est tombé. À cause des conditions météorologiques. L'avion est tombé. Heureusement qu'il n'y avait personne, il n'y a pas eu de mort, mais les renforts ont eu du mal à venir, puisque le temps n'était pas bon. Mais finalement, l'armée malienne a pu envoyer le renfort pour desserrer l'étau autour des hommes qui étaient pris en étau. Et donc, ils ont opéré un repli stratégique. Et ils ont frappé. Il y a eu un certain Karim, un dangereux criminel, un des chefs terroristes de la Libye, un chef de guerre tout terrain. Il connaît les armes à chaud, il connaît tactique de guerre, il connaît toutes sortes de guerrières, il connaît la guerre de rue, il connaît tout. C'est lui qui fatiguait le général Haftar en Libye. Le général Haftar a appelé Assimi Goïta pour demander est-ce qu'il s'agit de ce gars. Assimi dit oui. Il dit mais lui, il est au garde-vous devant l'armée malienne. Au Kadjouti. L'armée malienne Kadjoutre. Où il est là, il est en enfer. Kosso. Beaucoup de chefs terroristes sont tombés. Beaucoup de chefs terroristes sont tombés.
ses camarades d'Afrique. Mais l'Alain Malène a dit quelque chose qu'on doit décortiquer. L'armée va tirer toutes les conséquences. Toutes les conséquences. Frère, on doit se poser sur la question. Comment ça se fait que les terroristes ont suivi de l'Algérie? Parce que Tendewatan de l'Algérie, c'est là. Comment ça se fait qu'ils ont suivi de l'Algérie? Ça veut dire que l'Algérie est une base arrière des terroristes. Ça, il faut que l'armée malienne dénonce ça. Il faut que les autorités maliennes dénoncent ça. Ça fait un. Deuxièmement, de grâce à Assimi Goïta, avant de prendre une ville encore. Ah, mais c'est pas à moi-même qui dit ça. Lui-même, il sait maintenant. Avant d'attaquer une ville, on ne va plus avec 21 pick-up. Façon, on a attaqué Kidal là. Je pense que c'est comme ça qu'on doit attaquer. Actuellement, où je vous parle, les autorités de l'AES sont en train de se préparer. Ils sont en train de se consulter. Frère, la force antiterroriste de l'AES est mobilisée. Les Jaguar, les Chloé, les Almeida. Frère, non. C'est-à-dire que les agents Curtis, oh, tout cela sont mobilisés là. Frère, quand ils vont tomber sur Tezawaten la prochaine fois, même il y avait un hélicoptère, hélico, pour damer les terroristes. Chers camarades, comment vous pouvez comprendre ça? Comment on peut comprendre ça? Mais on s'en va contre Tenzawaten encore. Et que quand on va frapper Tenzawaten, et que je sais même que peut-être on est capable même de frapper quand Libye parle, quand Libye là-bas. C'est-à-dire que pour rentrer quand Libye parle, saluer le général Haftar avant de sortir. Ouais. Parce que tous ceux qui vont s'arrêter devant nous, on va les massacrer. On va les massacrer tous. Chers camarades d'Afrique, le roman, l'heure est grave. Donc, vous avez compris la supercherie. Que dit la Russie? Que dit la Russie? Chers camarades. D'ailleurs, même avant de vous y faire écouter ce que la Russie a dit, écoutez ici, M. Pujadas, David Pujadas. Écoutez ici, David Pujadas. Le document, maintenant, dont je vous parlais, nous allons découvrir ce document qui dévoile, alors pour la première fois aussi clairement, l'expansion du théâtre de cette guerre du sol européen vers le sol africain. De quoi parle-t-on ? De soldats ukrainiens face à des soldats russes, oui, exactement. De soldats ukrainiens face à des soldats russes, mais sur le sol africain, en clair, l'armée de Kiev envoie certains de ses meilleurs éléments pour déplacer l'offensive, pour déplacer la confrontation avec la Russie sur le sol africain. Voilà. Celle qui réalise ce document, c'est Gwendoline de Bono. Elle nous rejoint, Gwendoline de Bono, elle nous rejoint maintenant. Bonsoir Gwendoline, merci d'être avec nous. On vous connaît sur l'antenne, vous êtes grand reporter à LCI, vous êtes enquêtrice et vous revenez d'Ukraine, où vous avez passé un mois. Un mois. Et où vous avez pu nouer des contacts, on en reparlera, au plus haut niveau, à Kiev. Et c'est ce qui permet aujourd'hui de présenter ce document. Loin de l'Europe, donc, la guerre se déplace et se mène en Afrique. On va comprendre dans un instant pourquoi, on va comprendre combien d'hommes, on va comprendre comment, quelles sont les méthodes utilisées, de quelle manière cela se produit en
découvrons maintenant ce document que vous nous présentez. Le voici, et puis on en parle juste après. Ces soldats sont parmi les plus aguerris d'Ukraine. Ils appartiennent aux forces spéciales du renseignement militaire. Pourtant, ils opèrent ici à 6000 km de la ligne de front ukrainienne. Ils sont au Mali. 6000 km de la ligne de front ukrainienne. Ils sont au Mali. C'est contre eux, l'armée malienne s'est battue la dernière fois. Samedi, comment on appelle ça, jeudi, vendredi, samedi. Mais on va vous dire, vous tous, vous les Ukrainiens, on va vous dire. Et que moi-même, je dois rentrer au Mali même. Non, ça, je vous dis en toute sincérité, vous n'allez plus me voir dans un moment. J'ai rentré. Ouais, j'ai rentré au Mali. Bientôt, pas trop loin même. Peut-être fin 2024, là, hier rentré. Peut-être 2025, hier rentré au Mali. J'allais m'installer, j'allais m'enrôler dans l'armée malienne. Pour prendre les armes. Ouais. Il faut qu'on va aller dire les Ukrainiens. On va s'y dire. Moi, monsieur l'ancien commando. Ok, frère. Et ça, c'est parce que. C'est-à-dire que, frère, c'est parce que la guerre n'est pas bonne. C'est-à-dire que parler n'est pas bon. Au nom de tout ce qu'ils cherchaient, camarades pays d'Afrique. Moi, je vais aller prendre les armes. Je vais aller prendre Negé. 12-7. Pour accrocher comme ça. Puis on va laisser papier là-bas. Nous, et puis les Ukrainiens qui sont là-bas. C'est-à-dire qu'on va se. On va se. Comment? On va se. Pas beaucoup. Non! Moi, je m'amuse pas. Moi, j'ai rentré un peu au Mali. Parce que c'est qui a commencé là. C'est qui a commencé là. Si tout le monde ne s'est pas mobilisé, c'est pas bon. Mais si la Côte d'Ivoire est devenue comme ça là. Hein? Mais c'est que c'est gâté sur nous. C'est gâté sur nous. Et vous prenez les armes. Vous prenez. Vous quittez, comme le Poutine est en train de vous frapper là, vous quittez là-bas, vous partez combattre les soldats russes qui sont au Mali. Des instructeurs russes qui sont au Mali, vous partez les combattre. Mais vous allez nous trouver devant vous d'abord. Ils vont nous trouver là-bas. Il faut qu'on prenne les guerres. Il y a bien tous les Maliens. A commencé leur formation militaire chez eux à la maison d'abord. C'est musclé. Parce que le 1 contre 1, il faut que tu sois fort. Quand tu prends un là, quand tu donnes un, il faut qu'il dorme. C'est que les bamés, les PA, les 12-7, il faut qu'on prenne les 12-7. Assimil Gouda n'a qu'à garder ma 12-7. Non, il n'a qu'à garder ma 12-7. Sinon, c'est pas bon. Frère, ce que je vous dis là, peut-être que ça va paraître un peu comique, mais je vous dis la vérité. Il faut qu'on s'apprête à la vie ou à la mort. Soit on vit ou on meurt, ou on meurt. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester au milieu. Ça, jamais. Je voudrais aussi déjà saluer la bravoure de l'armée malienne. Je veux saluer la bravoure de l'armée malienne. Et même Ibrahim Traoré les a frappés. Hier. Yeah. Il les a frappés. Les bombes sont descendues sur les têtes. Boum. Il va là-bas. Boum. Frère, il les a botés. Le président Tchani aussi est en train de les frapper là-bas. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Non, mais ouais, vraiment, hein. Mais malgré ça, il faut qu'on aille là-bas. Même si il faut qu'on aille, même si on doit aller faire le journalisme, mais quand même, il faut qu'on aille là-bas. Même si c'est pas aller faire journaliste, avec un journalisme de guerre, vous faites les reportages. Même si c'est ce qu'on doit faire, on va faire, mais il faut qu'on aille là-bas. Parce que l'Afrique, le continent appelle ses enfants.
on va laisser enfin tout ça pour aller. Il faut aller faire la guerre. Il faut aller défendre nos terres. Parce que moi, j'ai besoin de prendre la tête d'une unité pour descendre sur Draman. Si jamais il s'engage dans la guerre. Non, si Draman s'engage dans cette guerre, on prend la tête d'une unité pour descendre sur la Côte d'Ivoire. Pour le babou là-bas. S'il déclare la guerre à l'AES, on va aller prendre les armes pour aller le frapper. Comme un peu d'Afrique. Donc, je demande au peuple malien et au peuple de l'AES de toujours, je dis bien, toujours, sans exception, sans tergiversation, toujours rester derrière l'armée malienne, toujours rester derrière l'armée burkinabé, toujours rester derrière l'armée nigérienne, toujours rester derrière l'armée de l'AES. Toujours. Est-ce que vous avez compris ça? Peuple du Mali. Toujours. Peuple de l'AES. Toujours. Voilà. Comme rappelé l'Afrique. Quand j'ai dit ça, je voudrais saluer les Achans. Les Achans, les vieux Achans se sont réunis aujourd'hui pour venir manifester leur solidarité envers le village Abidjan-Djamé. Voilà. Ils sont venus manifester leur solidarité envers le village Abidjan-Djamé. Donc, on est très fiers d'eux. C'est comme ça que ça s'est passé. Je suis très fier de vous, chers parents Achans. Je suis très fier de vous. Voilà. Quand je dis à chers camarades d'Afrique, je pense qu'on a dit l'essentiel d'aujourd'hui. Donc, je vous demande ici de faire le maximum de partage, de partager au maximum la vidéo. Draman Ouattara, il est rentré. Et André, ils ont opéré son coco là. Il est rentré à bien. Son ventre a diminué un peu. Son ventre a diminué un peu. Ils ont enlevé un peu de là. Coco là, ils ont enlevé un peu dessus. Donc, c'est comme un peu d'Afrique. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présents panafricains. Bagbo, président Bokodwa 2025. Inch'Allah. On est ensemble. Merci les gars.